Brigitte Bardot. Oui, Brigitte Bardot vient de se remarier. Quelle est votre réaction? Vous avez lu ça dans les journaux. Est-ce que ça vous a surpris? Vous avez dit encore, non? Oh non, ça ne m'a pas surpris, pas du tout. Pas de la part de Brigitte. Non? Non. Je trouve que c'était un peu dépassé à la limite pour trois mariages. Disons que c'est pas étonnant. Ce que je me demande, c'est comment ça se fait qu'elle ne s'est pas remariée plus de fois que ça. On a fait le rapprochement avec Elizabeth Taylor et puis on a dit qu'il faudrait qu'elle trouve un mari aussi extraordinaire que Richard Burton. Ben, écoutez, papa à lui, mais m'a dit je fais quelque chose qui bon. Elle n'a pas l'idée faite. Ouais. Pour moi, cette petite fille, ça, elle n'a pas son idée encore. Elle n'est pas not steady, you know what I mean? Oui. Franchement, elle mériterait de trouver quelqu'un de bien. C'est dans l'amour, c'est tant mieux pour elle. Franchement. Ah ben, elle doit un petit peu de bonheur, elle aussi. Non? Ça vous laisse indifférent? Indifférent. Pourquoi? C'est son affaire. Franchement, ça se marie pas mal souvent, ce bout-là. C'est marié une semaine, 15 jours, puis ça change. Fait que... Si j'étais acteur, je me marierais pas. Est-ce qu'en se remariant, à votre point de vue, elle a plus de chances d'être plus heureuse si elle n'a pas découvert le bonheur? Elle n'est pas du tout heureuse, parce que la vie qu'elle mène, c'est une vie vide. Ça va lui prendre combien de maris pour faire son idée, à votre point de vue? 5! 5? Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que cette fois-ci, elle l'a trouvé, son homme? Moi, je pense pas. Non? Non, mais ça peut aller jusqu'à quel nombre? Peut-être qu'elle va se décourager de changer. Ça, je le sais pas, mais... Vous admettez ça, qu'une personne se marie 3 fois, 6 fois, 9 fois? Ah, ben c'est parce que tout le monde est avec... sont avec pour y faire... Est-ce que ça veut dire que vous admettez autant de mariages que... Pas autant, mais si c'est le dernier. Franchement, elle n'est pas heureuse, elle ne sera jamais heureuse. Est-ce que, personnellement, dans votre fort intérieur, vous condamnez cette attitude, ce geste? Moralement, oui. C'est mal, mais ce que c'est que vous voulez? Il faut être indulgent. C'est scandaleux, mais on est tellement habitués, il faut que c'est pas sérieux. Pour ce qui est de l'exemple à donner? Je le condamnerai absolument. Oui, 3 mariages à son âge. Vous n'êtes pas favorable non, à des mariages nombreux? Non. Pourquoi? Parce qu'un mariage suffit. Suffit? Oh oui. C'est assez, vous voulez dire? Oh, c'est assez, oui. Le fait qu'elle se marie 10 fois ou non, ça ne me dérange pas. Est-ce que vous feriez la même chose, vous? J'espère bien que non. Merci.